Bon, il y a Torgan qui est juste en face de moi. Et il se barre avec les poteaux de corner. Voleur. C'est deux, mon vieux. Et un, et deux, et trois, zéro. Si on perd aujourd'hui, qu'on joue aux billes. Merci. Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, match à Tubize. De temps en temps, il faut venir. Donc, match à Tubize, le derby contre Rebec. Le match à ne pas perdre. Ça va être chaud boulette. Ça va être chaud patate. Ouais. Donc, on va essayer de gagner. Après la défaite de la semaine passée face à Mons 0-2. Enfin, 2-0. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je mets un petit lien ici au-dessus. Et let's go. Hein. On est dans la buvette de Tubize, on attend tranquillement que le match commence. Et actuellement, nous sommes 5. On est 5. Bon alors, après l'Union Saint-Gilloise contre l'ASC, petit lien encore une fois ici au-dessus. Donc le programme des matchs de la semaine. Mardi, on ira du côté de la Louvière pour le match entre la Louvière et Anderlecht. Ça va être bien ça. Et mercredi, on va voir l'Union Saint-Gilloise contre Meux. Voilà, c'est bien aussi ça. Ça va être bien. Ouais. Tu veux venir ? Bon alors, au niveau du classement, je suis occupé de regarder. Tubize, on est actuellement 6ème après la défaite de la semaine passée. Rebec est 14ème. Si on perd aujourd'hui, qu'on joue aux billes. Voilà, tu sais quoi, en attendant, on va faire les pronostics, tiens, voilà. On va demander les pronostics aux gens. 1-0. 1-0. Combien ? 2-1. Martin, pronostic ? 2-1. Je vais dire 2-0, moi. Si, 2 buts. On va marquer 2 buts. Bon, on va demander le pronostic à Bernard et au curé aussi, tiens. Bernard, ton pronostic ? 1-0. 2-1. Bon ben voilà, nous sommes de nouveau dans cette fameuse tribune. Moi c'est ce club-ci que je supporte. Là tu supportes ça toi ? Bienvenue en D2 amateur. Moi, à Tubize. Ce club-ci moi. C'est qui eux ? C'est ultra tubiziens. Les ultra tubiziens tu supportes toi ? Bernard, comment tu vois ce match ? C'est très compliqué. Face à Rebec. Ouais, ouais. Moi je disais tout à l'heure, on ne peut pas perdre ce match. Non, mais Rebec était en fond de classement et il vient de faire des résultats plus que rassurants. Il remonte dans le classement et nous on flotte. Oh, il y a pénalty là. Bon, 12 minutes de jeu, toujours 0-0. On est là. On est là. Il a voulu lancer un champ, il s'est pris un vent au cou. Je suis là. Un match pour l'instant pas très... C'est chier. C'est un peu, ouais, c'est un peu... Même en tribune, c'est chier. Ouais. J'ai beau vouloir mettre d'ambiance, c'est chier. Boum. Ah non. Voilà, but. Enfin. 1-0 pour la RUTB face à Rebec. Après 38 minutes de jeu. Bernard, qu'est-ce que t'en penses ? Attends Bernard, qu'est-ce qu'il en pense ? Ah bah écoute, 1-0. Il était temps comme disait le curé. Et il était temps, oui. Deuxième tir cadré en 39 minutes et celui-ci il est dedans. Voilà, c'est la mi-temps donc sur ce score de 1-0 pour Tubize alors qu'il y a deux joueurs qui sont occupés de se prendre la tête. Et clairement, une mi-temps compliquée, hein. Mi-temps très compliquée. Il n'y a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent. Et donc voilà, c'est la mi-temps, 1-0. T'as pas regardé la vidéo de Mons ? Mais j'ai pas eu le temps. Mais t'es vraiment une nette, mon vieux, le valeureux Mathéo. J'ai pas regardé la vidéo de Mons. Mais j'ai regardé, j'ai regardé. Supporter de la victoire. Bon allez, sur ce, santé. Bon, on est reparti pour cette deuxième mi-temps. Let's go. Yes ! C'est goal, mon vieux ! Bon voilà, ça y est, c'est bon. C'est bon, Bernie, hein. C'est 2-0. Bernard ? Oui. Et 1, et 2, et 3-0. Bon, donc 2-0, 2-0 pour la RUTB avec un magnifique soleil là, qui est apparu nulle part. 2-0, on espère que ça ne sera pas comme au standard, hein, Bernard. Tout à fait. Parce que si c'est comme au standard, il y aura un problème. Ah oui, ouais, là on est mal barré alors. Non. Ouais, si ça finit 3-2, ça finit 3-2, je me barre, hein, je te le dis. Non, mais c'est, à 3-2, je me casse. C'est pas le même niveau Rebec en dessous. Ouais, je pense pas. Je vois pas Rebec marquer 3 goals. Non. Sincèrement. Et pour l'instant, mon pronom est bon. Hein. To the table, bro. I'm not your son, see I'm able. I do my own bits. Limited edition, no submission, classic shit. I know that you're feeling it. First time, I'm proud of my selfish decisions. Couple people did me dirty, but I'm clean. Ain't even mad proof, karma is a bee. We all do bad things when it comes back. Level. Oh! Bon, bah, c'est goal de 2-1. 2-1, et le pari du curé pour l'instant est bon, et le mien est foutu. Voilà. 2-1. C'est... Il faut vraiment qu'à 18 ans je fasse des paris sportifs. Ouais, non, mais toi tu vas faire des paris sportifs. Pour le curé qui me demande ce que je pense de ce match. Qu'est-ce que je pense de ce match ? Bah, je pense qu'à 2-0 c'était bien. Elle est belle la frappe ! Oh ! Et que là, 2-1, il reste 10 minutes, ça pue quoi.
Bon Bernard, on n'est pas à l'abri, hein. On n'est pas à l'abri là, Bernard. Non, on a les occasions, ouais, mais ils n'arrivent pas à tirer le match. C'est ça. 86e. 86e, Mathéo. Ouais, mais je suis pas. Plus personne ne me chante. Ça peut rester dehors. Ouais, mais là, je comprends. C'est le stress, toi. Ça le stress de fin de match, c'est pas. Tu vois, on a vécu deux remontadas en deux matchs. Mais j'ai pas envie d'en revivre une ici, toi. Allez, le référé. Viens avec nous chanter. Le match est terminé. Et on le voit bien. Tu te fais chier. Mais c'est fini, yes, c'est bon. Bon, victoire de la RUTV, donc 2 buts à 1. Et qui c'est qui avait bon? Attends, parce que. T'avais bon? J'avais bon encore. Attends, on va. Oh, le curé avait bon, il avait dit 2-1. Bon, qu'est-ce que t'as à dire pour ta victoire, curé? Bah, comme à chaque fois, quoi, j'ai eu presque à chaque fois bon, et comme d'habitude, toujours pas de cagnotte. Comme à chaque fois. Bah, le curé devient spécialiste au pari sportif, et je vais finir par lui demander conseil quand je parie sur une ibette. Bernard, il est content. Bon, on retrouvera évidemment Mathéo dans cet état-là, mardi soir. À la Louvière. À la Louvière, Anderlecht. Hein. Bien joué, les gars. Faut pas oublier ce match à la Louvière, mardi. Et également mercredi. Et mercredi aussi. À l'Union. À l'Union contre Meux. Voilà, on sera au centre de match. Ça va bien. Jeudi, il n'y a rien. Jeudi, on va parier. Jeudi, il n'y a rien, c'est pas normal. Jeudi, on va parier d'Aïza. Et il se barre avec les poteaux de corner. Voleur. Reviens, gamin, c'est le pourri. Ah, de nouveau, voilà, de nouveau. Mais t'es pas tout seul cette fois. Non. Et il est là, et on l'a retrouvé. On l'a retrouvé. Ça va? Regarde, je suis avec des. Il y a quand même des Rebécois, regarde, je suis avec un Rebécois, il y a tout le temps des Rebécois. Qu'est-ce que t'as pensé du match? Pauvre, très pauvre. Mal joué, très pauvre. Je m'y attendais à ça. Bon, voilà, on est au VIP de l'AFC Tubize. Enfin, non, pas de l'AFC Tubize, de la MTB. De l'FC Tubize, ouais, de la FC Tubize, nous. AFC Tubize, forever. Bon, il y a Torgan qui est juste en face de moi. Bon, on va essayer, je promets rien, mais on va essayer. Bonsoir. Je vais rester TVI à 18h tous les samedis. Bonsoir. Mais voilà, ça marche, c'est impeccable. C'est vrai en plus. Ouais, Ah merde, c'est vrai. Suivez-moi sur TikTok, s'il vous plaît. Inch'Allah, on arrive à 20k bientôt. 20k? Ouais. Ah, tu m'as niqué là. Attends, je vais aller voir combien j'ai, moi. 20k. Et il a 20k, l'autre. Non, j'ai 15. Mais abonnez-vous, abonnez-vous. Non, mais en vrai, c'est pas grave, parce que en soi, moi, je donne juste des conseils. Si c'est pour de l'amusement, suivez-le lui. Moi, je donne des conseils pour votre vie, et puis c'est tout. Voilà. Bon, comme ça, vous êtes au courant. Tu vois, il y a des trucs marrants. Hein. Au final, tu vois, cette vidéo, elle est plus intéressante dans les VIP que le match en lui-même, tu vois. Bon, je l'ai loupé une fois. Cette fois, je ne le loupe pas. Torgan, ça fait plaisir en tout cas. J'étais au Classico. Ah. On a fait la vidéo, elle a cartonné. C'est vrai? Elle a cartonné. Ah, c'est bien ça. La vidéo, ouais. Donc voilà. Bon, merci en tout cas. Bon, voilà. C'est bon, je l'ai. Pas venu pour rien. Après Carrasco, j'ai eu Torgan Hazard. Ma liste s'agrandit. Bonjour, je vous apprends et c'est le coach de Tubize. Je suis avec André Camargo. Ça, c'est un bon ça, toi. André Camargo, voilà. Ouais, la cloche, je veux dire, on s'en fout de la cloche, voilà. Ancien Tubizien, Rebécois actuellement. Bien joué au lit, incroyable. On va faire l'interview d'un joueur de Tubize, c'est marrant ça. Ben, que dire sur ce match? C'est difficile, mais les 3 points sont là, et c'est le plus important. Ouais. Et on n'oublie pas la cloche et de s'abonner. La cloche, on s'abonne. La cloche, on s'abonne. Merci. T'as quelque chose à dire, toi? J'ai beaucoup de choses à dire. Intéressant. J'ai beaucoup de choses à dire. J'attends le retour des ultras dans la. Ouais, bah tu vas attendre longtemps, je crois. Oh. Comment ça, j'attends? Déjà, on reviendra si on monte. Si on monte, oui. Et si les résultats c'est sont. C'est une promesse, ça. C'est une promesse. Ok. Et si les résultats sont intéressants? Bah, si on monte, c'est que les résultats seraient intéressants. Non, pas forcément. Là. Pas faux, ouais, parce qu'avec la réforme, c'est moyen. Bon, on va conclure la vidéo ici. J'espère que ça vous a plu. On n'oublie pas les likes, les abonnements. La petite cloche, comme dirait Laura à côté de moi. Là. La cloche. La cloche est très importante. Et on se retrouve très rapidement mardi pour la Louvière Anderlecht. Et mercredi pour l'Union Saint-Gilloise contre Meux. Et la semaine prochaine, Gatsoron Tubize. Voilà, on n'oublie pas. Le club, c'est important. Donc voilà. Allez les gars, à la prochaine. Merci d'avoir regardé. Ciao. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love.
la vidéo ne commence. Je le dis, je le redis parce qu'on est, on n'est pas beaucoup. On s'abonne, n'est-ce pas Bernie? Tout à fait, tout à fait. On s'abonne, on, le petit pouce, le like et tout le machin qui va avec. Voilà.